Le siège de Paris nous est rapporté en latin par Abbon, un moine qui vécut le siège justement et qui plus tard se retrouvera au service du comte Eudes. Si vous voulez lire ce texte fort instructif, eh bien je vous ai mis un petit lien dans la description de la vidéo qui vous ravira certainement. Le 24 novembre 885 apparaît sous les yeux médusés des Parisiens une flotte danoise de 700 navires menée par un certain Siegfrieder. Ces Danois vont investir l'église Saint-Germain l'Auxerrois et en faire leur quartier général. Puis, à l'aube, le lendemain, Siegfrieder est reçu par l'évêque Gozelin et le comte Eudes dans le palais épiscopal. Le Normand demande libre passage des ponts sur la Seine pour remonter jusqu'en Bourgogne où ses troupes souhaitent passer l'hiver. Si on le lui refuse, il menace carrément de réduire la ville en cendres, et ce, dès le lever du jour. Et que font Eudes et Gozelin? Eh bien, ils refusent. Ah ben ils ont pas peur les mecs. Comme promis, aux premières lueurs du jour, les Vikings attaquent la ville. Plus précisément, la tour qui, sur la rive droite, garde l'entrée du grand pont fortifié. Le combat dure toute la journée, éprouvant fortement les hommes et les fortifications. Au crépuscule, les combats cessent enfin. L'évêque Gozelin profite de la nuit pour faire retaper la tour et la rehausser par l'ajout d'ouvrages en bois. L'assaut reprend à l'aube. Les Vikings attaquent toujours cette même tour, la criblant de projectiles. Ils tentent même de combler les fossés qui l'entourent. Deux catapultes sont disposées sur le pont et projettent des pierres sur les Vikings. Mais bientôt, une brèche s'ouvre dans la défense et le combat au corps à corps s'engage. Le comte Eudes et l'abbé Eble se battent comme des lions pour repousser les Danois. L'abbé transperce même 7 ennemis d'un coup, avec un seul javelot. Enfin, d'après les dires du moine Abbon, hein. Moi personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Surtout pour un abbé. Donc oui, dans ce cas-là, je pense qu'on peut parler d'une aberration. C'est non. Ah non, ça va pas le faire là. Tu sors. Excusez-moi. Nota bene, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Les Danois ramassent alors de l'herbe sèche et du bois pour y mettre le feu. La tour disparaît derrière une épaisse fumée, et pendant une heure, elle demeure totalement invisible. Mais soudain, le vent change de direction et repousse le brasier vers les assaillants. De la ville surgissent deux porte-enseignes, qui brandissent au sommet de la tour deux étendards safran, signifiant que celle-ci est toujours debout. L'ennemi, épouvanté, selon Abbon, décide de se retirer. Même si j'ai du mal à comprendre comment deux bouts de tissu peuvent effrayer quelqu'un. Ah ! Ces deux jours de combat se soldent par de nombreux morts et blessés dans chaque camp. Siegfrieder comprend qu'il ne prendra pas facilement la ville. Il s'apprête donc à mener un siège. L'hiver est là. Pour commencer, Siegfrieder décide de fortifier son QG, c'est-à-dire l'église Saint-Germain l'Auxerrois qui s'appelait alors Saint-Germain le Rond. Il décide de l'entourer d'une palissade de bois et d'un fossé défensif. Les Vikings construisent des engins de siège, comme des béliers par exemple. Fidèles à leurs habitudes touristiques, ils pillent la région, font prisonniers femmes et enfants, s'emparent des richesses et des troupeaux et transforment l'église en étable. Bah quoi ? Vous mettez bien des crèches devant vos églises avec des fausses bestioles dedans? Ben nous on en met des vrais, on fait sa grandeur nature, une belle étable sur notre église. Manque plus que les parents et les petits gamins là. Hein? De leur côté, les Francs en profitent pour retaper leurs fortifications et installent sur le pont fortifié d'autres catapultes et des mangonneaux. Le 31 janvier 886, Siegfrieder lance l'assaut. Il divise son armée en trois corps. Le premier corps va attaquer directement la tour fortifiée. Les deux autres, sur des bateaux, vont attaquer le pont. Selon Abbon, les assaillants étaient si nombreux que la terre était cachée par leurs boucliers. Une partie des Vikings lance des boules de plomb et des flèches sur les Francs. L'autre partie, protégée par des tortues, arrive tranquillement vers la tour. Et là, ils décident de combler les fossés, en utilisant de la terre, de l'herbe, du bétail qui avait été abattu, ainsi que des corps humains. De quoi ? Ouais, les corps humains, en fait, c'était des prisonniers qu'ils avaient égorgés au préalable. Ah, cool ! Une fois que les fossés sont comblés,
Et bien là, les Belly Vikings peuvent s'activer contre la tour. Dans la cité, l'effroi règne. Les trompettes résonnent. Les cloches sonnent le glas. Les cloches sonnent quoi ? Le glas. T'as compris quoi, là ? Aïe ! Une intense agitation saisit les combattants. Les armes s'entrechoquent entre les cris et les râles des blessés, tandis que les Normands frappent leurs boucliers de leurs épées. De leur côté, le comte et l'évêque appellent les hommes à résister. Les combats durent 3 jours. Les Francs et les fortifications tiennent bon, et Siegfried commence un peu à s'énerver. J'en ai assez ! S'il ne sort pas dans 5 secondes, je défonce la porte ! Il décide alors de faire aller 3 bateaux ensemble sur la Seine, de les couvrir d'herbes sèches et d'y mettre le feu. Horrifiés, les Francs voient les bateaux enflammés dériver vers le pont. De leur côté, les Danois exultent. Ils frappent de plus en plus fort leurs armes sur le bouclier et leurs cris s'intensifient. Impuissants, les Parisiens se mettent à genoux et prient Germain et Geneviève. Qui ça ? Les saints patrons de la cité. Pas 2 mecs qui s'appelaient Germain et Geneviève. Ah oui, non, parce que là je comprenais plus. Il y a un mec qui s'appelle Geneviève, enfin bref. Et là, le miracle, selon le moine Abon, se produit. En fait, avec le courant, les 3 bateaux se sont bloqués contre l'éperon d'une culée du pont, hein, une partie du pont, sans pour autant endommager le pont. C'est-à-dire que les bateaux continuent de brûler, et le pont ne brûle pas. Il est tranquille, il n'y a pas de soucis. Du coup, les Parisiens en profitent pour tout simplement éteindre le feu sur les bateaux. Ce qui réduit le projet de Siegfried à néant. Ouais, on peut dire qu'ils ont eu une sacrée veine sur ce coup-là, quand même. Mais pas du tout, jeune païen. Ce sont les forces combinées de Saint-Germain et de Saint-Geneviève qui... Non, pas encore. Seigneur Dieu. Le soleil se couche. Les Normands restent dans la plaine, empêchant les Francs de reconstruire leurs fortifications. Mais le lendemain, les Vikings se retirent. Ils laissent la ville tranquille, pillent la région, notamment l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et vont même aller faire quelques expéditions jusqu'à Troyes et à Reims, en Champagne, pour y faire quelques rapines. Et certainement pour picoler au passage. Mais voilà, Saint-Germain et Sainte-Geneviève sont des saints patrons à mi-temps. Ils sont pas toujours là pour protéger la ville. Car pendant la nuit du 6 février 886, le petit pont qui reliait l'île de la Cité à la rive gauche est emporté par la Seine qui est en crue. Du coup, la tour sur la rive gauche se retrouve isolée, avec en son sein 12 gardes, 12 personnes dont on a encore les noms. Hermanfroy, Hervé, Erlan, Wacre, Hervy, Arnoux, Jobert, Guy, Ardre, Aymar, Gossouin et Seuil. Oui. Il y en a un qui s'appelle Seuil. Seuil. Ah, c'est pas de peau. Je dirais même, c'est pas de porte. Le pas de porte, le seuil. Tu sors. Les Francs tentent en vain de rétablir le passage jusqu'à la tour. Mais Siegfried et ses hommes en profitent. Ils traversent le fleuve, direction la tour, et l'encerclent. Ils l'accablent de flèches, flèches auxquelles les gardes francs de la tour répondent par des jets de pierre. Puis, les Vikings apportent un chariot devant la porte de cette tour, qu'ils remplissent d'herbes sèches et de broussailles, et y mettent le feu. Et là, vous commencez à comprendre que les Vikings aiment bien faire brûler de l'herbe. Impuissants, les Parisiens voient le feu atteindre la tour, qui disparaît derrière une épaisse fumée. Le feu investit même totalement l'édifice. Et juste avant que celui-ci ne s'effondre, les 12 guerriers francs parviennent à s'en extraire et se replient sur l'extrémité restante du pont. Exactement comme dans un film hollywoodien. Pareil. Acculés. Quoi ? J'ai dit acculés. Ah ok. Acculés donc, les 12 guerriers combattent à l'épée. Ils frappent de taille et des stocks. Ils résistent vaillamment et tuent même plusieurs de leurs ennemis. Devant leur ténacité, les Normands leur proposent de se rendre. Épuisés, les 12 guerriers acceptent, pensant pouvoir sauver leur vie et être rachetés pour une forte rançon.
et les Danois les tuent. Bah comme le dira l'un de vos politiciens, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Les Vikings dépouillent leur corps. Ils prennent leurs armes et leurs bijoux et jettent les cadavres dans la Seine avant de détruire la tour. Les Danois exultent. Les Parisiens pleurent leurs 12 braves. La ville est totalement isolée. Car nul dans l'Empire carolingien ne semble s'émouvoir de sa triste destinée.